Bien, salut tout le monde, c'est BunnyBarrel72, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans cette vidéo, on va apprendre à faire, enfin dans le titre et dans la miniature, on va apprendre à faire ce magnifique portail automatique, hop, qui s'allume et hop, qui se coupe et qui a un petit problème lorsqu'on le coupe. C'est pas trop grave, donc c'est parti. Alors voilà, pour commencer c'est très simple, vous allez commencer par faire votre portail, donc du coup c'est... Hop, de l'obsidienne, donc il vous faut 14 obsidiennes si vous êtes en survie. Hop, voilà. Comme ceci, donc on va faire un portail plein, on va pas commencer à chipoter. Ensuite, vous allez positionner ici, hop, deux blocs avec un premier distributeur ici. Alors, hop, hop, voilà. Hop, et un autre ici. Voilà, rien de plus compliqué pour le moment. Sur les côtés, vous allez mettre, hop, des blocs, du laser, donc du coup les briques du laser, voilà, comme ceci, hop, et également en dessous, voilà, ce qui est assez bien. Vous pouvez mettre même deux étages, pareil sur les côtés, donc deux rangées, pardon, hop, voilà, comme ceci. Ensuite, pour faire plus beau, vous pouvez placer des escaliers. D'escalier du Nether, bien évidemment. Hop. Faire plus beau, hein. Après, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, pour vous faire une petite marche assez stylée. Vous allez placer ensuite un bouton ici. Et on va placer de l'autre côté un levier pour éviter le problème que j'ai eu juste avant. Alors, hop, voilà. On va placer le levier. Ensuite, on va passer derrière. Donc, le bouton se trouve ici. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner, hop, de la redstone avec un bloc juste à côté du premier distributeur. Et on va placer, hop, un répéteur qui va se trouver ici. Hop, donc c'est assez compact, comme vous pouvez le voir. Alors, le bouton est plus haut. Je viens de réaliser que le bouton était plus haut. Donc du coup, on va monter ça d'un cran. Hop. Alors, les briques sont là. On monte ça d'un cran. Comme ceci. Et normalement... Ouais. Voilà, ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne. C'est super. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Donc, du coup, c'est aussi... Ici, à 3. Mais là, on monte. Du coup... Est-ce que ça fonctionne dans ce sens? Non, ça fonctionne pas. Du coup, ici, on met juste de la redstone. Voilà. Voilà. Alors, pour activer le portail, il vous faut un briquet. Donc, du coup, vous allez mettre un briquet dans le dispenser du bas. Du coup, quand on va appuyer sur le bouton, ça va l'activer. Et dans le dispenser du haut, distributeur, on va placer, hop, un seau d'eau. Du coup, hop, on peut allumer le portail en appuyant sur le bouton. Et, hop, l'éteindre, vite fait. Alors, ouais, là, c'est parce que j'ai oublié de réappuyer. Donc, pour pouvoir vite fait l'éteindre... pas comme j'ai fait, voilà. Vous allumez et pour l'éteindre vite, vous faites hop, voilà, comme ceci. Après, vous n'avez plus qu'à boucher ici. Alors, vous pouvez boucher ça ici avec pardon, vous pouvez boucher ça avec des dalles. Alors, on va mettre le design maintenant. Du coup, on peut prendre des barrières du Nether, ce qui est plus beau. Alors, où sont-elles? Sont dans l'onglet ici avec les épées en fait. Non, même pas, là, voilà. Enfin, hop. Et vous pouvez par exemple les mettre ici. Voilà. Comme ceci, ça fait une espèce de rendu assez sympa. Hop. Et bien sûr, votre personnage Minecraft fait deux de blocs de hauteur. Du coup, vous pouvez par exemple mettre ça là pour pas que l'eau coule. Et éventuellement mettre ça là. Vous voyez, comme ça, vous pouvez juste rentrer dans votre portail. Et vous voyez, c'est assez bien. Donc, normalement, si je teste, vous pouvez mettre ça là également. Peut-être enlever ça. Hop. Si jamais... Ouais, là, on passe. Donc là, ça pourrait être pas mal. Donc, si jamais on active, hop. On peut toujours rentrer dans le portail. Alors, je vais jeter ça. Voilà. Et si jamais je désactive... Ok, bon, vous pouvez aussi désactiver rapidement, hein, comme je viens de le faire. Hein. Donc voilà.
Ensuite, pour la décoration, vous faites à peu près ce que j'ai fait. Vous pouvez mettre encore des blocs, par exemple, au-dessus. Hop, une couche, vous faites un petit toit. Ça dépend après pour la déco. Donc moi, sur mon display, je sais que je vais faire un truc du genre. Donc c'est pour ça que je vous fais le tuto avant de terminer tout ça sur mon let's play. Donc pour ceux qui ne regardent pas encore le let's play, je vous invite à aller le regarder. Et ensuite, vous pouvez hop terminer ici avec ça. Et ça fait tout simple, ça donne tout simplement une profondeur au portail. Hop, on peut même en placer ici. Voilà, ça donne une espèce de petite cage en profondeur. Et ça c'est stylé, ça fait un peu style monument. Du coup, hop. Vous l'activez. Voilà. Et vous pouvez le désactiver comme ceci. Voilà. En tout cas, moi c'est terminé pour cet épisode de Tuto Redstone. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était iPod Gamer 172. Allez, bye tout le monde.